plutôt le soleil, les étoiles sont venus se prosterner devant la lune. On dit, ah, ça veut dire que lui, il a serré des mains de l'homme. Ce sera grand demain. Ils sont allés au champ, lui. Ils ont jeté dans la pluie. Après ça, ils l'ont vendu. Oui, c'est tant tes parents qui vont te vendre un jour. La sorcellerie te vend. Ils l'ont vendu. C'est pas l'énergie des dénigrants. C'est quand il a oublié qu'il est devenu grand. S'il savait, il avait vu son parcours, vous allez l'empêcher de devenir grand. Amen. Amen. C'est pas tout, on dit aussi. Il faut fermer ta bouche. Hmm? Ferme. Si tu prépares un médicament, il y a un ouais aigu et puis corde. Pour courir ça. Vivez caché. Il n'est pas d'être méchant. Mais il ne choque pas bien à tout le monde. Il faut garder. Oui. Il dit, mais tu n'es pas encore fiancé. Bien, 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 bien. Tu dis à tout le monde. Bon, gardez. Il n'y avait pas encore une d'autre. Il s'est dit, bah là, ça c'est mon fiancé. Ils vont venir gâter. Eux, ils sont là. Ce qui est en eux, là, ça n'aime pas entendre bonnes choses. Quand ça attend bonnes choses, ça attaque. Donc, quand ce n'est pas encore bien fait, là, pourquoi pas t'as dit? Parce qu'il entend ça, il va gâter. Il mettra tous les moyens en place pour gâter. Non, je vais aller en Europe. Tu n'es même pas encore allé faire demande de visa. Toi, tu vas déjà aller en Europe. Mais c'est fini. Tu vas plus partir. Tu n'iras plus jamais en Europe. Et jamais, c'est fini. C'est quand tu voyages que tu es là-bas, tu appelles Zadi. Zadi, je suis arrivé à Londres. Ça va? Merci Zadi. Il est étonné. C'est comme ça. Amen. Ce sont des secrets. C'est partout où on dit. La sorcellerie détruit. La sorcellerie gâte beaucoup de choses. Donc un sorcier est un danger dans une famille. Et quand il y a la sorcellerie dans une famille, ça se sent. Personne n'émerge. Les gens ont les mêmes problèmes. Il n'y a pas d'avancée. On ne progresse pas. On n'avance pas. On a l'impression qu'on va en reculant. On n'avance pas. C'est là qu'on remarque qu'il y a la sorcellerie. Et la personne est toujours frustrée. Amen. Parce qu'il y a la présence. On peut être à l'église. On peut se dire chrétien. Et puis être influencé par la présence de la sorcellerie. Parce que c'est un démon. Amen. Amen. Je suis venu vous aider. Amen. Amen. Dans ce combat. De vous donner, de vous éclairer sur beaucoup de choses. Et de vous donner des armes nécessaires. C'est possible, nous pouvons combattre les sorciers et les vaincre au nom de Jésus. Amen. Parce que tout pouvoir nous a été donné par Christ de marcher sur eux. Nous pouvons marcher sur eux et les vaincre. Amen. Amen. Il y a la puissance dans le nom de Jésus-Christ. Jésus m'a donné la victoire, moi aussi, mes sorciers, qui en voulaient tellement ma vie. Et Jésus-Christ m'a délivré. Je suis venu vous soutenir. Amen. Amen. Voilà, que Dieu bénisse. Amen. Voilà, nous serons encore là demain. Comme demain, c'est dimanche. Amen. Amen. Nous serons à l'église. Mais à partir de 17h, nous allons démarrer un programme. Amen. Amen. Je vais vous enseigner encore. Heureusement qu'on a un week-end prolongé. Nous sommes là jusqu'à lundi. Nous irons peut-être lundi midi comme ça. Mais on aura l'occasion de faire beaucoup de choses avec vous. Il n'est plus que vous soyez à la place où vous êtes aujourd'hui. Parce qu'il faudrait que qu'on sente que Dieu est dans ta vie. C'est quand Dieu est dans la vie de quelqu'un, la personne bouge. La personne va de l'avant. Oui. Parce que quand Dieu est absent, la personne ne bouge pas. C'est comme un moteur qui est détruit. Parce que c'est le Dieu qui est au centre. Dieu bouge. Dieu, c'est la prospérité. Dieu, c'est la guérison. Dieu, c'est tout ça. Mais il est dans ta vie. Tu penses qu'il est dans ta vie, mais regarde ta vie. On ne sent pas qu'il est là. Parce que quand il est dans ta vie, il envoie tout. Amen. Amen. N'est-ce pas? Il envoie la guérison. Il envoie une prospérité. Il envoie l'élévation. Il envoie la protection. Mais regarde ta vie, est-ce que Dieu est vraiment là? C'est ce qu'il dit aux gens, c'est pas une question de je parle en langue. Non. Non, je parle en langue, là, je prophétise. Tu prophétises. Est-ce que toi-même tu avances? Est-ce que quand on regarde ta vie là-même, ça ressemble à prophétie? C'est ça. C'est pas faire je prophétise, je parle en langue. Est-ce que tu avances? Tu dois être un témoignage. Dieu est puissant. Amen. Amen. Voilà, c'est parce qu'il a fait des choses dans ma vie que je crois sa puissance. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Amen. Je suis venu vous aider. Il y a beaucoup de choses à vous dire. Amen. Beaucoup de choses à vous révéler. Il y a tellement de choses à dire. Mais je crois que les choses vont changer. Amen. Amen. Les choses vont changer. Les dons de vos changements vont commencer à changer dans vos vies. Et les gens vont commencer à vous respecter. Qui dit respecter? Le sorcier a besoin de te respecter au nom de Jésus. Amen. Il faut qu'on te respecte. Parce que Dieu t'a appelé à dominer. Ce n'est pas eux qui doivent te dominer. C'est toi qui dois dominer, assujetti. C'est toi. Toi. C'est toi. Amen. Amen. Dieu t'a appelé à régner. Dieu t'a appelé à prospérer.
Tes enfants doivent être bénis. C'est ça Dieu. Quand il est quelque part, on est béni. Regarde Israël. Tu adores le Dieu d'Israël. Quand tu regardes, tu ressembles à Diakaura. Vous savez ce que ça veut dire? Tu vas à l'église, je suis chrétienne, voici ma carte de baptême. Et tout cas de baptême, je suis baptisé, ma carte de baptême, ça a été signé cette année, je prends communion. C'est pas ça, non, regarde. Qu'est-ce que Jésus-Christ, est-ce qu'il est réellement dans ta vie? Et s'il est réellement dans ta vie, on est Christ en nous, l'espérance de la gloire. La gloire doit t'accompagner. S'il est dans ta vie, il y a des choses que tu ne dois pas te manquer. Amen. Amen. Ça, c'est clair. Parce que le ciel, c'est déjà un acquis. Tu as déjà le ciel. Les disciples ont posé la question à Jésus. Nous, tes cieux, qu'est-ce que nous venons? Il faut laisser faire des noms, des malheurs. On gagne quoi? On a quel intérêt à être toi? Il dit celui qui aura quitté le royaume des cieux et ses parents, encore le monde, il gagnera d'avoir sur la terre beaucoup de choses, puis après se éloigner des cieux. Sauf cela qu'il a pris son épée pour dire Jésus, tu ne meurs plus, je te protège. Parce que tu es bon. Dieu, il est bon. Moi, depuis que j'ai découvert beaucoup de choses, ma langue ne manque plus. Parce que le juif, il dit, la pauvreté, c'est l'absence de Dieu dans la vie de quelqu'un. L'homme n'a pas dit à qui? À Dieu. Hein? À Dieu. Il n'est pas dit à Dieu. Adieu. C'est pour Satan. Non. Il y a des gens qui ne peuvent pas aimer l'argent. C'est pas Satan. L'or est à Satan qui. Adieu. Nous sommes enfants de. Vous ne parlez pas de Dieu maintenant. Nous sommes enfants de Dieu. Celui à qui appartient l'or et l'argent, il est ton papa. Voilà. Vous êtes toi. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Il y a des choses qu'on vient de changer dans ta vie. Il faut qu'on sente que l'or et l'argent appartient à ton père. Je vais vous enseigner ce qu'on appelle le pouvoir. Le pouvoir, ce n'est pas parler en langue. Le pouvoir, c'est l'argent. Il y a l'argent dedans. Il faut que Dieu t'élève. Il faut que Dieu te donne les moyens pour réaliser tes projets. Tu ne dois pas chez des gens. C'est toi qui dois nourrir des gens. Ce n'est pas toi toujours qui dois tendre la main. Mais toujours te humilier. Autant Jésus a été humilié pour ne plus qu'il te soit humilié. Il y a des choses qu'on peut dire enseigner. Amen. 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 Que Dieu bénisse. Amen. On prend rendez-vous demain pour 17h. Je suis là jusqu'à lundi. Et quelque chose va changer dans ta vie. Dis amen. Amen. Je suis venu pour faire changer quelque chose en toi. Amen. Parce que si ça ne change pas, ce n'est pas bon. Il faut que tu sois un témoignage à la gloire de Dieu. Quand tu parles, on dit celle-là, son affaire de Dieu, là, c'est vrai. Parce que voici son témoignage. Qu'elle touche quelque chose, ça marche. Qu'elle fait quelque chose, ça marche. Toi, quand tu mets, c'est là, tout se gâte. Tu vas prendre un cacao, là, le sol se gâte. Mm-hmm. Sorcier. Mm. C'est bien de vous. Amen. 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 Si on a mieux, la cause si on a mieux,
Siona mio, Siona mio, yeah. Siona mio. Demandez au Seigneur de nous libérer, qu'il te libère, qu'il libère ta famille, qu'il libère ta maison. Ouvre la bouche et prie le Seigneur. Amen. Nous voulons te bénir parce que tu es véritablement le Dieu d'Israël, Yahweh, notre Dieu. Nous venons de démarrer un programme. Merci de démarrer avec nous et merci de nous faire du bien. Éternel, notre Dieu, merci encore pour le programme, la journée de demain. Merci parce que cette nuit visite chacun d'entre nous, révèle-toi à nous et fais-nous du bien. Nous comptons sur ta grâce et la manifestation de ta présence et de ta puissance. Merci de nous bénir, s'il te plaît. Merci d'éclater ta gloire dans nos vies. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. On dit Amen. Amen. Voilà, que Dieu bénisse. Amen. On a démarré à 17h. On démarre à 17h. Amen. Amen. Envoyez vos enfants, on va les faire passer au scanner. Amen. 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 Si vous avez des enfants qui doivent passer l'examen, nous envoyez les sujets. S'ils sont là, envoyez-les dans notre premier pot. Amen. Demain à 17h. Amen. Voilà. Bonne nuit à vous.